Si oui. Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau vlog, c'est parti. Nous sommes le mercredi 21 août et il est 11h02. Alors, comme vous avez pu voir ce matin, j'étais bien entourée. Maintenant, Caramello et Kif se posaient juste ici. Voilà. Juste au-dessus de ma tête. Donc voilà. Après, il aime bien grimper par là et monter dans le lit de ma petite soeur la nuit. Alors que ma petite soeur, elle aime pas ça. Enfin bref. Hier, je suis sortie. Mais j'ai pas vlogué. Et en plus, je suis sorti toute la journée. On a fait que parler avec ma pote. C'était trop bien. Et voilà. Aujourd'hui, journée off. Je crois que je sors pas, normalement. Donc ça va être tranquille. J'ai envie de tester une recette avec du chou-fleur. Mais il n'y a rien chez moi. Enfin, il y a des trucs que je veux faire. Mais je sais pas si je pourrais faire. Donc peut-être que je vais changer de ce que je veux faire. On verra si c'est bon. Et en plus, je sais pas si j'aime le chou-fleur. Enfin. Mais j'avoue que je pense que j'aurais peut-être la flemme aussi. Mais on va essayer de pas avoir la flemme. Qu'est-ce que je fais? Bah, ça fait longtemps que je suis réveillée, hein, sachez-le. Je me suis pas réveillée ça. Enfin, longtemps. 9h? Un truc comme ça. Enfin, bref. Je vous embarque dans cette journée. J'espère que ce sera... Enfin, cette journée. Ce vlog. Je sais pas combien de jours il va durer. Et j'espère que ce sera cool. Et ah oui. Et je voulais vous dire, est-ce que vous avez remarqué que la différence de publication... Enfin, par exemple, je filme tel jour et je la publie pas un mois après... Genre, vous avez le vlog quelques jours après, et là, normalement, il y a 4-5 jours d'écart, un truc comme ça. Donc, je suis plutôt satisfaite, mais j'espère tenir le rythme. Voilà. Voilà. Donc, il est 11h43, oui, et je mange mon petit bol cake. Celui-là, il a la pâte à tartiner, puisque j'ai plus de carreaux de chocolat, mais il est super moelleux. Bon appétit! Monsieur ne bouge pas. Bon, il y a pas mal de temps qui est passé, il est maintenant 14h31 et je m'attaque à la pizza à base de chou-fleur. J'ai jamais essayé, c'est un test en direct live. Bon, après à peu près 15 minutes au four, voilà la tranche que ça a. Bon, j'ai un peu goûté. Voilà, je vais la manger, je vais voir ce que ça donne. C'est sauce barbecue et mentale. Elle se tient pas du tout. Je sais pas si c'est parce que j'ai... Enfin, quoi que, ça va. Je vais laisser refroidir. Oh. Et je vous dis des nouvelles plus tard. Update, il est 17h24. Faut que j'aille vous dire sur Instagram qu'il y a un vlog qui est sorti. J'ai fait le truc au chou, la pizza, machin. Pas fan, vraiment pas fan. Je sais même pas si je vais vous laisser les rushs de la recette parce que je suis vraiment pas fan. De toute façon, vous cherchez sur YouTube, il y en a qui le proposent ce genre de recette et j'ai pas aimé du tout. J'ai mangé que une et encore j'ai partagé. Et l'autre, j'ai donné à ma soeur, elle a bien aimé, ça va. Mais elle aime le chou-fleur donc peut-être pour ça. Et puis de toute façon, je vous ai montré les résultats finaux et tout, mais je referai pas, mais vraiment pas. Mais non. Voilà, on peut pas tout aimer dans la vie. Et là, je vais regarder quelques vidéos YouTube encore qui sont sorties. Je pense pas que je vais vous reprendre, donc je vous dis à demain. J'ai raté mon entraînement sur mon lit, mais je viens de me réveiller. J'ai à peine bougé. Et bien, elle vient me dire bonjour. Et bonjour. Voilà, sa nouvelle place. Alors, ma petite soeur, elle nous avait ramené des bars hier, comme ça, avec des amandes et des trucs séchés. Elles sont grave mignonnes et tout. Elles avaient l'air grave saines, mais j'aime pas le miel. Donc, du coup, c'est pas pour moi. On se retrouve bien plus tard. Il est 20h25. Bon, ça fait un petit moment, je suis dans la cuisine. Je fais le dîner pour ce soir pour tout le monde. Et ah, je fais là. Oula, le riz. Là, je suis en train de faire la sauce. Donc là, c'est gentilet et des épices. Je vous ai déjà montré ça dans un vlog. Et bon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est curcuma, curry, herbe de Provence, poivre, sel. Ouais. J'ai rajouté le lait de coco tout à l'heure. Et un peu de crème liquide et ce sera prêt. J'ai très envie de bouffer. En attendant que ça cuise,
toute l'après-midi, une grande partie de l'après-midi, je suis en train de me retaper Kylie Cigrec. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais elle date et tout. Et je regarde, là, je suis qu'à l'épisode 6, mais c'est des épisodes de 35 minutes à peu près. Et vous pouvez les trouver sur YouTube, mais bon, c'est en tout petit, mais bon. Au moins, tu peux regarder tranquille sur ton téléphone n'importe où. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, c'est trop bien. Pour l'instant, je rekiffe et tout, je redécouvre la série et tout, c'était trop bien. Enfin bref, j'ai terminé de faire à manger et je vous montrerai sûrement le résultat si j'oublie pas. Et je vais pas laisser brûler. Là, je ferai mon repas pour aujourd'hui et enfin ce soir et demain midi. Et du coup, la sauce, je vais faire une grande sauce parce que ma sauce elle part tout en vite. Je vais mettre une briquette d'un litre. On est 5, 6 à manger. Donc pour deux jours, ça part vite. Ça part toujours vite. Voilà. Sinon, demain soir, je voulais tester une recette avec des pois chiches. Sauf que ma mère, elle avait acheté déjà des pois chiches secs. Et du coup, je vais faire tremper, mais genre, j'ai jamais fait ça. Et j'ai pas envie de me tromper. Sur YouTube, ils disent qu'il faut mettre beaucoup d'eau, donc j'ai mis beaucoup d'eau. Entre ceux qui disent que ça doit juste recouvrir et ceux qui disent trois fois le volume de l'eau, bon ben j'ai rempli le truc et j'ai mis un gros bol. C'est censé gonfler cette nuit. Je sais pas si vous aurez la réponse dans ce vlog, dans le vlog qui sortira du coup soit mercredi soit samedi, ça dépend celui-là il sort quand, mais ça je crois qu'il sort mercredi donc ça sera samedi. Ouh, Chris, tu pars trop vite. Donc voilà. Et je vais mettre du bicarbonate aussi, apparemment ça aide à les rendre tendres. Donc voilà. Il est 22h30. Je vais me coucher. Il est plus sur mon lit. Oh mais oui. Oh, ça se met confortable. Ça se met confortable. Oh là là, je vais être obligée de te tu vas être obligée de bouger ma kiwi. Parce que Cricri doit aller dormir. Alors ma kiwi. Mais oui. Bah oui. Oh là là, je t'ai réveillée. Et maintenant, je t'avais l'air. Du coup, on est le vendredi 23 août. Il est 9h10. Oh là là, mais quel réveil. Je me réveille. Caramello, il a déchiré le sac de croquettes. Pendant la nuit. Merci. Enfin, c'est... Soit. Mais il a bien dormi. C'est très bien. Il grandit, il s'améliore, c'est bien. Et après, du coup, je suis en train de transvaser... les croquettes dans un autre sac et tout parce que voilà et du coup bah je les nourris pas de suite parce que je suis occupée tu vois et Caramello du coup il embête Kiwi, il lui court après. Kiwi elle a pas envie de jouer. Kiwi elle court, elle se cache derrière moi. Du coup Caramello il fait rien, il observe seulement. Après Kiwi elle va dans la baignoire et j'avais pas encore remis de l'eau et tout, je croyais qu'elle avait soif et tout, je fais attends deux secondes, je vais de l'eau et tout. Et après, je suis en train de transvaser tout. Et là, je sens, ça sent le caca. Je fais, c'est qui a fait caca? Depuis quand le caca, ça sent? Parce que Caramello, ce caca, il commence à plus sentir. Donc, je me suis dit, oh non, ça revient, tu vois. Et je vais dans la salle de bain pour remplir les gamelles d'eau. Et je vois, il y a du caca dans la baignoire. Et je vois Kiwi, elle est comme ça, avec ses gros yeux tout dilatés, trop mimi. Et je fais, c'est pas grave. Et j'ai compris qu'en fait, elle voulait aller à la salichère. Mais il y a Caramello qui l'embêtait, du coup elle pouvait pas faire caca. Aïe, c'est la première fois qu'elle fait caca pas dans sa litière. Donc j'étais en mode, mais c'est pas grave, elle avait cette tête de malheureuse et tout. Genre trop mignonne. Enfin, voilà. Voilà comment je me suis réveillée ce matin. Et puis voilà. Bon, ça fait, je pense, à peu près 12 heures que ça trempe. Environ. Et ça donne ça, je sais pas si ça a vraiment gonflé. Si, je crois, attendez. C'est de ça. À ça et on commence à avoir un peu les petites peaux qui s'enlèvent, donc je me dis ouais, de toute façon c'est pour ce soir. Je sais pas si la recette sera dans ce vlog ou si ce sera sur Instagram ou si ce sera dans un prochain vlog, je ne sais pas. En tout cas je vous mettrai une photo dans le prochain vlog sûr, je pense, si c'est bon. Bref, si vous m'avez pas ajouté sur Insta, vous saurez pas. Voilà, désolé. Ah si, on voit bien la différence. Dites moi c'est lequel qui est sec.
Celui-là, 1 ou numéro 2? Alors, je n'ai pas entendu votre réponse. Lequel est le plus sec, le numéro 1 ou le numéro 2? Oh oui, le 1, tu as donné la bonne réponse. Hashtag Dora l'exploratrice. Voilà. Bon, je vais me calmer et je vais petit déjeuner et puis on se retrouve plus tard. Donc, il est 10h36, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous montre un peu mes cheveux là, je vous en parlerai dans le prochain vlog et tout, de comment ils sont, mais ça va, ils se portent bien. qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, avec mes conneries, j'oublie ce que je veux dire. Donc oui, je voulais dire, je vais clôturer ce vlog là. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux juste ici, mon Insta et mon Snapchat. Je suis plus active sur Insta, mais j'inonde pas votre feed, comme je vous le dis à chaque fois, niveau stories. Je pense que je vais couper le vlog là. Je sais pas si j'en. Et là, je vais un peu mélanger les pinceaux dans mon cerveau, mais voilà ce qui se passe dans ma tête à l'heure actuelle. Je fais le montage et je continue un vlog de suite, ou si je fais off. Bon, je sais pas. Je sais pas non plus si je vais vous montrer la recette que je vais faire et je sais. Bon, je sais pas grand chose. Abonnez-vous si vous voulez savoir la suite. Je vais arrêter mes bêtises et en plus de dire des trucs que je ne sais pas. Ça va aller. Et je vais. Je sais pas. Bisous.